Et salut tout le monde, c'est Honorag, on se retrouve du coup sur Project Zomboid avec notre ami Larcy qui est parti pour son exploration sur Marsh Ridge. Les appartements militaires sont juste là, seulement on a eu des mouvements de Z. Et là, en vrai, je vais attendre un peu. Et ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais faire le tour et je vais essayer d'aller choper la camionnette Spiflo. Essayer de l'accrocher pour qu'on puisse l'attracter. Mais j'ai l'impression qu'on va s'engouffrer dans un truc pas possible. Voilà. Les zones d'habitation ont l'air quand même encore assez bondées. Autant j'avais bien nettoyé autour des appartements militaires que là, ça a l'air encore assez chargé. Ouais, c'est plutôt chargé. Et on est sur les parkings. Voyons voir. Hop. Ouais. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on attire tout le monde. On va peut-être se refaire un petit coup de molotov gentiment. Voyons voir si. Petit coup de klaxon. Voilà. Petit coup de klaxon bien gentil. Allez, histoire de venir. Oh, j'ai l'impression que... Ouais. Ça va pas être... Ouais, si, c'est bon, je peux passer par là. En fait, je pensais que ça rejoignait derrière, mais non. Donc là, c'est eux que je dois... Mon carburant, je suis dans la mouise. Je suis clairement dans la mouise, donc... Allez, pas le choix. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Allez, ma belle. On est là. Don't worry. Tu es prête à tout. Vu ce que tu as traversé, ça ne sera rien de plus compliqué. Et là, on va attirer tout le monde. Enfin, autant que possible. Et se refaire un joli petit barbecue. Ouais, on va faire ça. Normalement, j'en ai un là. Hop. Le briquet en objet secondaire. Allez, je suis là. Allez, ça améliore un peu la vue. Voilà, oui, ça va être un beaucoup plus grand barbecue. Allez, venez là. Venez là. Ok, alors. On aimerait pouvoir se faire ces appartements bien tranquillement. Ah, elle a faim. J'ai rien de... Corn beef, est-ce que tu peux ouvrir la conserve? Vas-y. Fais-toi ça tranquillou. On les appelle. Hop. Ah non, c'est pas ouverte. Yes. Ok. Ça, c'est bien. Allez, petit repas. On va faire la petite clope. Le petit bêta bloquant. Clope. Vas-y. Et après, je pense qu'on va lancer le molotov. Ça, bêta, ok, nickel. Et là, allons-y. Ah, tu me l'as sorti. Oui, où? Ah, j'ai pas. Ah, j'avais pas le briquet. Il y a du mundo. Il y a pas mal de mundo. Le molotov est équipé. Donc, il n'y a pas de raison. Allez, brûle. Brûle. Voilà, ça y est. On est parti pour une session de tournicoton.
je vais vous faire un petit accéléré. Ah ça y est, on commence à avoir les premiers Z qui tombent. J'ai essayé de les garder bien paquets, histoire qu'ils prennent bien les dégâts. Et là, vous entendez, ça pop comme du popcorn. Ça fait plaisir. Franchement, je suis content de les avoir bien tenus paquets ici. C'est mieux. En fait, j'en ai pas eu trop d'autres qui sont arrivés, qui m'ont fait dévier de ma course, etc. Donc... c'est vrai que ça a été plutôt simple. Allez, la petite dernière. Histoire de... Voilà. Nickel tout ça. Allons-y. Je vais choper sur moi, par contre. Priorité numéro 1. Ah, je passe bien sûr dans un arbre pendant que je regarde. Priorité numéro 1. Le... Hop, de ce côté. Ah, j'ai le bidon d'essence. Plein. Ça, c'est parfait. Ici. Ah non, allez. Ajouter. Hop. Histoire qu'on soit tranquille. Vas-y. Remplis tout bien. Ok. Oh. On a voulu me faire une petite surprise. Non, non. Ça marche pas comme ça ici. Y'a que moi qui fais des surprises. Je suis la seule autorisée. Merci. Suivant. Ok, à terre. Et c'est bon. Nice. Ok, alors lui. C'est lui qu'on est venu chercher. Bon, ok. Il va falloir d'abord se débarrasser de cela. Petit tuyau en plomb. Ok. Parfait. Barre en métal. Pff, plutôt usagé. Donc non, on s'en fout. Et ouais. Il me semble bien qu'il y en avait quelques-uns. Allez. Ok. Les deux. Yes. Nickel, hop, lunettes de soleil, on s'en fout, mon digital, on s'en fout. Et là, on est bon, ici. Est-ce que je peux te siphonner? Non. Est-ce que je peux te siphonner? Non. Aucune natte carburant, en fait. En fait, je suis peut-être pas assez proche. Si, normalement, je suis assez proche. Mais toi... Parce que je crois que le problème, toi, c'était ouais, c'était le carburant. Donc si t'as zéro carburant... Ah non, t'étais à... Just limit. Just limit. On va voir si ça fonctionne. On va tenter, hein. J'ai envie de dire, on n'a rien à perdre.
Bon, si, quand même. Beaucoup, la vie. Chapeau. Ouais, regardez tout ça là-dedans. Allez. On va se faire plaisir. Hop, on attache. Faut que je reste appuyé. J'ai perdu, voilà, mon interface à chaque fois. Et on va tester. Allez. Niveau carburant, on est pas mal. Et on ira tout doux, tout doux. On n'a pas de remorque, mais on a le van Spiflo. Ouais, on va se mettre là-haut. Hop là. Non, j'ai voulu t'arrêter, ça n'a pas fonctionné. Voilà. On a notre petit groupe de tout à l'heure qui vient nous dire bonjour. Ok. Pas trop de monde par là. Là, ça a l'air d'aller, donc on va rester là. Allez. On est parti pour un nouveau tour. Ok. Allez, on... notre sport préféré. Le pouce-étape. Hop là. Ok, un de moins. À terre. Et là, ça va enchaîner. Je le sens. Hop là. Hop là. Salut. Voilà. Non. Non, non. Il y a un qui m'a attrapé les chemins. Mais elle a dit non. Clairement, j'ai bien vu le petit coup de... petit coup de pied là dans la... dans les mains pour le faire virer. Donc là, ça c'est cool. On est bien, bien, bien parti. Est-ce que cette zone va être tranquille? On va y aller à pied avant d'amener le camion, histoire de voir ça. On a encore un petit groupe là-haut. On va aller s'en occuper. Ouais, on va s'occuper de ça. Go. De suite. Allez, toi. Allez, le coup de baramine. Qui réveille les autres et qui arrive. Ok. Parfait. C'est un râteau à main, je crois. Oh, des antidouleurs. Ça, je prends. Toi, on s'en fout. Et ici, on veut enfin pouvoir explorer nos appartements tranquillement. On a ça, on va s'en débarrasser. Je veux pas de... clairement pas de gêneur. Est-ce que là, par contre... non. Si je me rapproche, parce que je l'ai dans quoi, mon petit bidon. Il est toujours sur moi. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas d'essence. Ça, c'est pourri. Alors, venez là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Chacun son tour. Allez. Un peu buff, debuff. Oh. Ok. Non, non, non. Oh, on a failli se faire mordre. Allez. Ok, à terre. Hop là, ça. Ça, c'est dangereux. Ok, un de moins. J'ai l'impression qu'elle tape moins vite, moins fort. Bon, elle s'en sort pas trop mal non plus. Allez, le flic en moins. Et c'est bon. Ok. Le flic, il est là, il a rien sur lui. Des vitamines, on prend toujours. Ça, c'est sûr. Allons voir, par là. Il a l'air d'y avoir personne. On va revenir avec le fourgon ici. Rapido. Et ensuite, eh ben, on attaque. Même si on n'arrive pas à faire la totalité du bâtiment, on va remplir les camions. Et après, on se barre d'ici.
Il est 19h, on va se faire un petit dodo dans un des. Dans un des apparts. Allez. Bon, il est pas tombé. Plutôt résilient. Toi, voilà. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Personne, non. Alors c'est parti. Je sais que clairement, avec ce tractage de tractage de camion là, on risque de le flinguer notre premier camion, là, le rose là. Mais en vrai, ramener le camion Spiflo, chargé comme jamais là. Et je pense que ce sera une bonne chose et qu'on va sûrement y trouver notre compte si le camion ne nous lâche pas en route. De toute façon, s'il nous lâche en route, transvase l'essence et on échange le tractage. Allez, petit tout là, viens là. Tu m'as l'air perdu, seul, viens, je vais t'apprendre la vie. Voilà, petit moulinet, comme ça avec le bras. Et après tu finis au-dessus de la tête. Et allez go. Du coup là je vais juste aller checker le temps. Je vais aller poser un max de trucs. Allez. Ici on va poser conserve. Alors ça on va d'abord manger. Deux conserves. Les deux plus caloriques je pense. Ok. Celle-là. Celle-là. Et... là-dedans. Alors on va se refaire un cocktail. Un seul. Hop, vas-y. On va se le mettre là. Et là, on va transvaser tout ce qu'on peut. Les deux machettes. Ça, j'étais content de trouver les deux machettes. Tissu déchiré. Ça, ça, ça. On va mettre tout ça. Tout ce qu'on peut là-dedans. On va espérer grandement que personne n'arrive. Alors dépressif, on va voir si je pense pas avoir pris des antidépresseurs. J'espère en trouver. Ah si, j'en ai, ou j'en ai trouvé, je ne sais pas. On va se prendre ça. Prendre des cachets, ouais, voilà, nickel. Yes, ça va pas faire grand effet. Non, hein. Ça fait pas grand chose. Alors, si on en reprend d'autres, non, il n'y a pas 36 solutions. Et pas avec ça. Donc, on s'en fout, on va tout manger. Mais ça m'a pas ouvert la spaghetti. On mange. Ouais. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Ça, on laisse par terre. Les bêtas. Là-dedans. Et on y va. On prend le. On prend le tonfa. Et on y va. On va aussi. J'ai pas pensé la dernière fois. Ramasser ça. Petite clope au passage. Rapido. Avant d'attaquer. Yes. Ici, bon, on avait vidé. Là, la porte. Ouf. Toi déjà. Allez. Ok. Un couteau de chasse. Merci. Est-ce que... non. Ça marche pas ici. On va commencer par dégager. Par contre, important, on ferme. On va se dégager les apparts.
un par un. Personne ici. Il y aura peut-être un peu de monde là. Voyons voir. Ah, on est déjà sur le deuxième. On va peut-être faire tout le rez-de-chaussée. Je ne sais pas. Il y en a un dans le coin. Non, tu mets pas en discretos. Ça sert à rien, il t'a vu. Ok. Personne, il y en a là-bas. Si, si, il y en a là-bas. T'as entendu? Oh. Ça va lâcher. C'est laquelle? C'est celle-là. Allez. Ok, à terre. Nice. Allez, go. Là, pareil. Petit ravitaillement. On en profite. On va pas se laver parce que je sens qu'on va encore avoir pas mal de sang. Ok. Et là, on fouille. Allez, on va se faire ça pièce par pièce. Oh. Oui. Chargeur. Corde. Sans... J'en ai déjà. Je vais pas me charger spécialement pour ça. Je vais plutôt prendre tout ce qui est munitions et fabrication. Ouais. Fermer les rideaux. Yes. Ici. Ah, ok, personne. Petite trouvaille. Bon, encore des cordes, piles, ça je prends, hein, on sait jamais. 21h40, valise, sac banane, on s'en fout. Ça, je prends. Et en vrai, vu l'heure qu'il est, on va se faire ici. Ça a l'air d'être suffisamment safe. Et au pire, on va faire quoi? Je vais en profiter. Ah non, j'ai laissé la bouffe dans le camion. Bon, j'irai voir dans la... J'irai voir au réveil la cuisine. Allez, on y va, on tente. Et j'espère que tout va bien se passer. La nuit se passe sans rien entendre. Il commence à pleuvoir. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite lampe torche? Si. Ça sera beaucoup mieux. Et là, voilà, on reprend des piles. On en aura besoin. Oh, fil électrique, je vais les prendre. On a dit bricolage et munitions. C'est notre première nécessité. Ok. Conserve. On prend. On prend. On va les ouvrir ces deux-là. Ici, ok. Là. Yes, rien de plus. Donc on a de quoi se faire notre petit déj. Allons-y. On va se faire ça maintenant parce qu'il faut qu'elle mange, d'ailleurs. Toujours en perte de poids, mais. Sa blessure bandée, on va l'enlever. Je pense que c'est guéri. Yes, ça c'est cool. Non. Et là, on va manger. Ok, allez. Je pense qu'on va peut-être faire les trois là. Les trois au rez-de-chaussée. Et ensuite, on ira dans les étages. Ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des trucs. Si ça évolue pas en fonction de l'étage. Allez, la clope. Vas-y. Fume tranquille. Et on est bon. Personne n'est venu. J'ai pas l'impression. Ok. Personne. C'est calme. C'est trop calme. Beaucoup trop calme. Mais bon, on va faire avec pour l'instant. Ça, on trouve des petits matériaux qui sont sympas. Encore M14, bon, on en a pris deux. En vrai, ça suffit. Si ça, ampoule, on va prendre pour la base.
Kit de couture, non. Ici, il n'y a rien. On va reboire vu que c'est le matin. On va remplir. Et on est reparti. Hop là. Oh, petite surreaction. Oh, un pied de biche en parfait état. Ça, c'est cool. On prend, bien sûr. Pied de biche, c'est notre arme favorite. Gants en cuir, ça, on prend. Tout ça, on prend, en fait. On n'a jamais trop de sacs. Nickel. Duct tape et pile. Allez, hop. On prend pas. Le superflu. On va checker la cuisine. J'ai cru voir... C'est ouf, j'ai cru voir une ombre. Non. Le couperet, je prends. Ici, quelques conserves. Du ketchup. Briques de jus de fruits. C'est très bien. Et là, on a de la conserve. Prends tout sauf la pâté pour chien. Cool. Les sacs poubelles, on en a plein. Ferraille, on s'en fout pour l'instant. Ok. Ici. Oh, il y a quelqu'un de l'autre côté. Les gants en cuir, on prend. Sac de transport, on s'en fout. Fermez les rideaux. Tu me vois plus. Tu ne me vois plus. Tiens. Ça, c'est cool. Cartouche. Et ici, pile. On prend. Tape, tape, corde. On prend. Alors, on va se faire un truc. C'est pas safe. C'est mieux. Ouvrir la fenêtre. Voilà. On referme. Et il a un porte-clés. Oh. Bon, on va refaire la même. On va prendre les clés d'ici au cas où. Ouvrir les rideaux. Ah. Ah là là. Il avait lâché l'aggro. Dommage. Allons-y, fermez la fenêtre. Mais bon, je pense qu'il a dû trouer le pantalon, abîmer quelque chose. Et ici. Ici c'est bon parce qu'il n'y a pas d'accès en règle générale. Là-dedans. Yes. Ça. Oh, encore un pied. Ouais, on va les laisser, lui. Il est tout pourri. Ça veut pas. Ok. Ampoule juste. Ouais, ça c'est bien. Bon, ces petits trucs sont sympas. Hein. Franchement, ces petits appartements, j'ai envie de dire, on y trouve pas mal de trucs. Il y en a un autre qui tape. On va aller essayer de s'occuper de lui. Je sais pas d'où ça vient. Oh, tiens. Personne d'autre. Viens là. En même temps, ici, on n'est pas tranquille. Dans les couloirs comme ça, c'est jamais... C'est jamais safe. Une porte qui craque quelque part. Et c'est fini. Ouais, allez. Viens là. Allez, tiens. Ok, il y en a un qui a entendu du bruit. On va essayer de voir là. Personne. Par contre, toi. Allez. On s'enferme. Et on y va. Cool. Vous êtes tous sortis. On a quoi là? On va prendre le livre. Yes, le livre là-dedans. Ah, j'ai encore le bidon. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas trop ça qui va me gêner. Rien d'intéressant ici à fouiller. Ça, c'est l'entrée. On va aller se faire cet appartement là. Alors, lui. Y'a rien au sol.
Je crois que je suis passé. Ah oui, je suis passé. Et lui. Lui aussi. Ah oui, c'est là où j'ai tué. Je suis un peu perdu. On a quoi là? Là, c'est que les bâtiments. Ben, on va se faire les étages. Voilà. On se casse directement au premier. Là, ça tape, ça me saoule. Mais voir si. Oh là les gars. Non. Oh, fou. L'échappée belle. Ouh là là. Elle est passée à côté de sacrés trucs là. Allez. Non. Waouh, j'ai eu le PC qui m'a fait un truc là. J'ai eu un petit retour bureau qui était pas très sympa. Au moment où il venait sur moi. Non. Non. Ok. On redescend en tension. Vas-y. Ok, un demain. Toi, tu peux plus te lever. On va s'occuper de toi. Voilà. Yes. Ouf. J'ai cru que c'était la fin de Darcy. J'ai vraiment cru que c'était la fin de Darcy. Allez, sac de transport, on le prend là. Personne derrière. Ouais, non, personne, c'est bon. Ok. Ouf. Alors, on a dit que l'on mettait là-dedans. Je vais mettre un sac à dos. Et cela. De toute façon, je pourrais pas tous les transporter en même temps. Et on va mettre celui-là. Voilà, à être là. Posons tout. Tout ce qu'on peut. Oh punaise. J'ai vraiment. Là j'ai eu la frayeur. Déjà, l'ouverture de la porte, je pensais pas qu'il serait deux. Clairement pas. Et là après, je sais pas ce qu'il y a eu. Une application qui a dû s'ouvrir derrière sur mon bureau. Alors que. Aucune raison. Et waouh. Ça a été tendu pour moi, je vous le garantis. Je voyais déjà la vie de Darcy, les 28, 29 épisodes défiler devant mes yeux. Et elle, je pense qu'elle a dû avoir la même chose. Allez. Moins de stress. On y retourne. On va juste, hop, ouvrir la conserve. Allez, c'est parti, on attaque l'étage, non, on a dit qu'on attaquait l'étage, et je pense que ça doit venir de l'étage. Ici, alors on se prépare à courir. C'est toi qui nous fais chier depuis le début à taper comme ça. Allez. Ok. Bon, les clés, c'est bon, de toute façon, on les a déjà, plus besoin. Est-ce qu'il y a du monde dans le couloir là? Ça n'a pas l'air. Ici. Est-ce qu'il y a du monde? Personne ici. Ok, on commence par la cuisine. On couperait, on prend. Rien d'extra. Ah, une bouteille de soda, tiens. On va en boire la moitié. Ça va nous faire prendre un peu de calories, ça, normalement. Allez. Prends du poids. Même pas. Sale bête. Conserve de sardines, on va récupérer. Et... Ok. Personne. Bon, on va continuer. Recherche de munitions. Oh, ballon de basket. Cool. Le livre, non. J'en ai quelques-uns. Oh, encore un digi. En vrai, le dernier. Allez, c'est le dernier. Parce que là, après, il n'y aura plus vraiment de nécessité.
Pied de biche, toujours. Ok. Voilà. En tout cas, c'est bien, quoi. 4 chambres par appart. C'est vraiment pas mal du tout. Ça laisse vraiment beaucoup de choix. Laisse, on s'en fout toujours aussi. C'est pareil. On nous en fout des laisses pour chien, mais on s'en fout. Gants en cuir, on prend. J'ai dit, on prend. Le kit de couture. Allez, on prend celui-là. On sait jamais. Ok, ici. Eh ben, vas-y. Oh, voilà. Nice. Les deux autres. Bon, en tout cas, je tiens à remercier les conseils de... pour venir ici. Parce que, en vrai. Oh, une doudoune. On va arriver sur l'hiver. Parce que c'est vraiment très, très, très utile. Hop. Un marteau en très bon état. On va le prendre un de plus. Tiens, je me refais. Lui, il est quasiment mort. Batte de baseball. Yeah, ma biche. Elle est là. Allez. Hop. Botte de pluie. Allez. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Et là, rien. Ok. Faire celle d'en face. Personne. Y a personne dans ces trucs. C'est plutôt rare. Hop, munitions. Allez. Là-dedans, sac de transport, non, mallette, duct tape et pile, oui. Non. Ça me le fait prendre là-dedans, ça me saoule. Je veux pas de double clic. Et là, il y a du... Ouf, il y a du lourd là. Sac de randonnée, pied de biche, hop. On est en royal. Cool. Allez hop, la suite. Il n'y a personne. On va refermer l'appart. Non, c'est pas là. Ça doit taper à l'intérieur là. J'ai pas viré ça. Ok. Ça va. Le salon est dégagé. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était là. Non. Je vais d'abord checker. Non plus. Ok. Bon, ben je sais pas, ça doit venir de l'étage supérieur. Oh, le Bob. Allez, pour le fun. Ça va là. Et là, hop, valise avec rien dedans. Ok. Let's go. Ampoule. Bon, les ampoules, je crois que c'est bon, j'en ai pas mal. Petite biche, corde, chargeur, munitions. Ah, ça y est. Alors, la lampe, on va la laisser de côté. Et là, on va se prendre le digicamo en objet secondaire. C'est bon. Lampe déséquipée et on est là. Ça, c'est cool. C'est ici qu'il me manquait des trucs à prendre. Pied de biche, ça et ça. Qu'est-ce qui rentre là-dedans du coup? Ça, parfait. Et j'avais dit veste en cuir aussi. Ça nous fera des fringues de rechange. On est toujours, toujours preneur. Hop, toi tu rentres là-dedans encore. Yes, là-dedans. Cuisine. Non. Ouais. Hop, ça on prend. Ici. Et par contre, j'ai vu un truc. Je vais prendre une casserole. Je sais pas si j'en ai. Et c'est vrai qu'on m'a dit que faire cuire les boîtes de conserve dans une casserole améliore l'humeur. Donc, on prend. Encore un pied de biche. Waouh.
Bah, je pense que j'ai un stock de pieds de biche qui est énorme. Énorme. Là, je dois être à une dizaine de pieds de biche, je pense. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Vraiment pas. Ça rentre, ça. Ça rentre. Et ça va là. C'est vraiment pas pour me déplaire. C'est une arme très fiable qui fait mal et qui se dégrade très lentement. Donc. Sac de randonnée, tiens. Donne-moi le briquet. Je prends juste le briquet. Ok. Là-dedans, on va juste prendre ça. Et c'est. Waouh. C'est fiesta, fiesta. Let's go. On est parti. La suite. L'avantage, c'est que ici, ils pourront pas passer par les fenêtres. Pour. Ah. Je sais pas si c'est là ou si c'est celle d'à côté. Ok, c'est pas là. C'est clairement pas là. Je pense que c'est la part d'en face. Alors juste, on en profite. Et on va aller clear ça. C'est là. C'est là. Salle de bain. Et voilà. Cool. Un bruit en moins. Ça a commencé à me peser. Là. Encore de la machette. Et si c'est pas merveilleux ça. Ok. Ça, le duct tape. Ah, le fusil à double canon, ça y est. Je l'ai trouvé. Le petit sac à dos Spiflo. Allez. On le prend. Et ça, c'est vide. Ça, on se le prend aussi. Excellent. Le double canon. On m'a dit que c'était très très bien, ça aussi. Et là-dedans. Bouli! Allez, hop, de la munition. Et hop, du matos. Yes. Ok, pile. On va juste prendre la pile. La scie, on s'en prend une de plus au cas où. Tournevis, il était en mauvais état de ce que j'ai cru voir. Allez. On se fait ça. Couteau de cuisine en off, il est quasiment foutu. Ça, on prend. Elle commence à avoir faim. Normalement, voilà. Tout. Ici. Petite conserve en plus. Excellent. Le repas des rois. Enfin, presque. Là-dessus, c'est cool. Vraiment très cool. Alors par contre, je me rends compte que, ok, ça fait beaucoup d'appart. Il y a énormément de trucs à fouiller. Des trucs dans, on va dire, chaque appart. Mais en fait, ça va être en termes de poids. Je vais pas remplir les camions. Mais vraiment pas à moins d'y passer encore une journée de plus. Et je me dis que peut-être ça va être le truc qu'il va falloir que je fasse de passer une journée de plus. Ok, et là. Oh là là. Bon, les gars, en cuir, j'en ai des piles. On va la prendre quand même. Le duct tape, bien sûr qu'on le prend. Et ici, encore du duct tape.
Là, on va prendre les munitions. Tac, tac. Est-ce que ça rentre là? Oui. Est-ce que ça rentre là? Non. On est obligé de porter sur nous. Munitions, oui. Fil électrique, oui. Trousse de premier secours et que des bandages. Pile celle-là. Je crois que j'en ai qui sont pas top. Ouais, genre celle-là. Et on va prendre celle-là à la place. Voilà. Allez, on va poser tout ça au camion. On n'en est qu'au premier étage d'une partie. Donc autant vous dire, ça va être costaud. On a fait les 4 sur, on va aller faire cela. Et là, elle est lourde. On va se fumer une petite clope avant de descendre. On est mieux une fois qu'on a fumé sa petite clope. Le briquet, non. Crayon à papier, ok. Ça va. Voilà, du stress en moins. Voilà. On referme. Et là. Ok. Je préfère me méfier. On a un bon brouillard. Un bon brouillard. Ça va encore. Il y a eu pire. Et là-dedans, on va les foutre. Hop, mettre dans le conteneur, dans le coffre. Mettre dans le coffre. Allez. Oula. Oh, j'ai cru entendre du Z. Ok. Ça, mettre dans le coffre. Tu veux pas. Dans le coffre, on va sortir. Je dois avoir ça. Sur moi. Et ça, tu vas aller dans le coffre. Voilà. Il y avait un truc dans le style. On va sortir de là aussi. La machette. Les munitions. La bouteille, je vais la finir. Donc ça ira. Le tissu sale, en fait. On va faire ça. Machette et munitions. Hop. Et on est à 132 sur 149. Ah mince, j'ai foutu mon... Non. C'est pas le bon. C'est pas le bon. J'ai fait une connerie. Viens là. Il est où? Il est là. C'est lui. Porté sur le dos. Elle veut pas. Comment ça, elle veut pas? Ah, il y a un truc qui va pas bien. Hop. Porté sur le dos. Prendre. Oh non, je rêve, j'ai encore le bug des sacs. Bon, alors ça va être vite vu. Ça, là-dedans. Et ça, sur le dos. Ça va me gonfler. Ah, le brouillard qui se lève, c'est quand même beaucoup plus agréable. On va se prendre, par contre, du coup, de la bouffe avec nous. Et on va... Lui, il est plein. On va choper un autre sac. Il y en a d'autres. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Qui sont quelque part. Qui sont dans le sac. On va faire ça. Allez, go. C'est là-dedans qu'il y a des sacs. Doudoune, sac. Ouais, il y a lui. Hop. Et ce sera bon. On va faire ça comme ça. J'avais des sacs de transport aussi. Je sais pas où ils sont. Je les vois pas. Il y a lui qui est full. Est-ce que, à tout hasard, ce serait pas là-dedans? Le petit sac à dos, on s'en fiche. Non, non, bah non.
Non, non. Ça, on remet à l'arrière de la camionnette. Et on est bon. Ah, mais lui, il y avait déjà des trucs dedans. Ah, ben oui. Il y avait. C'était mon sac à dos premier. Donc, j'en en ai plus qu'un, mais je vais faire des allers-retours avec un. Ça va être très pénible. Vraiment très pénible. Je sais pas comment je vais faire. Mettre ça déjà. Hop. À côté. Siège passager. Et on se récupérera de toute façon d'autres sacs en route, étant donné tout ce qu'il y a. Dans tous les cas, je me fais pas de soucis. Voilà. Allez. Oh là. Les gars. Il y en a qui viennent pour en découdre. Et là, c'est pas le moment de la faire chier. Ok. Blessure, ça va parce que c'était pour le port du sac. Yes. Allez, go. C'est parti pour la suite. Alors, ici, on y est passé. Ici aussi. Et là, on aura notre affaire. Là, on est au-dessus. Hop, au-dessus du hall. Il y a cabine téléphonique. Et ça, c'est quoi? Ok. Ça, c'est un IAZ. Yes. Alors, vu qu'on a la place, ça fait quoi? Ah, les pieds de biche. Yes. Allez, vas-y. Parfait. Parfait, parfait, super. Le NIAZ est éradiqué. On va aller voir ce que ça contenait quand même. Oh oh oh! La la la. Yes. Toi. Petit gars. C'était la salle de poste. À quoi là? Ils étaient nombreux. Une petite cravate. Et là-dedans. Ah ouais! Oh, je veux ça! Ah, ça, y a moyen de se le ramener, ça. Pas aujourd'hui, mais une fois qu'on sera installé quand même correctement, il y a moyen de se le ramener. Un peu de bouffe, oui, des chips, merci. Et là, rien. Ok. Alors là. Les derniers de l'étage.
Il y a moyen qu'on puisse peut-être remplir le camion, dormir et rentrer. C'est pas la salle de bain. Allez. C'est parti. Ok, parfait. Ouais, je t'entendais respirer. Voilà. Voilà, allez, viens là. Ouf. La fatigue. La fatigue. Matraque de police. Ok, ça a l'air pas mal. Mais ce que je vais faire, c'est que là, ici, on va s'enfermer ici pour la nuit. On va tout checker. Allons-y. Ok. Ok. Et là en bas. Ok. C'est bon. Et c'est bon. Allez. Bon les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode. La fouille est immense. Il y a de quoi faire pendant des jours et des jours. Et moi, le lendemain, il faut que je rentre. Je pensais pouvoir remplir les deux camions. Moi, je pense que je vais quand même en remplir un bon peu parce que je vais demain finir cet étage-là, cette partie-là, ainsi que l'étage du dessous.
Et on va se rentrer gentiment sur Rosewood chez nous, en espérant que tout se passe bien et que le repop des Z n'aura pas été catastrophique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. On a pris possession quasiment des quartiers militaires Nox de Marsh Ridge. Et on est pas mal. On fait le plein de munitions et d'éléments pour le craft, et ça c'est cool. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à follow si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et en attendant, portez-vous bien, ciao ciao!